19h, 19h, tu es bien dans The Big Game of Ski, le nouveau numéro, et aujourd'hui on va encore explorer un shmup. Alors, ce qui est vachement bien dans l'univers des jeux comme ça, quand tu te permets de partir avec ta frontale pour essayer d'affronter tous les cracheurs de boulettes de l'univers, parfois tu peux tomber sur des surprises relativement excellentes. Et aujourd'hui, il y a un titre que je vais vous présenter qui a de bonnes chances de s'en sortir mieux que la moyenne. Comment qu'il s'appelle? Dis-nous tout. C'est Gekirindan. Oui, Gekirindan. Un jeu qui est bien foutu sur son aspect déjà, et qui peut-être sur son gameplay pourrait être miraculeusement génial. Mais alors, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on n'en ait jamais trop entendu parler? On va essayer de comprendre ensemble. Alors le truc bien, je fais durer, j'ai eu mon fell, ça faisait longtemps et j'ai commencé à prendre de mauvaises habitudes à force de ne plus avoir mon fell. Et là, hop, il est venu se rappeler à moi, comme par hasard. Normalement, ça devrait passer pour ce coup-là. Alors, regardez-moi ça si c'est pas mignon. Gekirindan. Mon dieu, le mal ultime veut se saisir de la planète. Mais qu'allons-nous faire? Je vais vous remonter un peu le son déjà, c'est la première chose que je vais faire. Et on va regarder la démo. Alors, pas de tir concentré, chargé. Non, non, non. Des bonus. Bah, c'est la moindre des choses. Et des bombasses, et j'ai eu le temps de repérer en bas à gauche. Allez, on va foncer dans ce petit shmup de 1995, voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, tire comme ça. Alors, les gens qui aiment le gros pixel vont être servis. Hein. Bon, apparemment le tir, c'est... Il y a un auto-fire, donc c'est même pas la peine de se casser le but. Et je suis déjà mort, c'est génial. Alors le jeu est très rigolo parce que pour 95, il est super carré. Hein. Genre, on sent que les gars, ils avaient dû mater chez les collègues ce qui se passait. Puis ils ont dû entendre parler d'un certain Donpachi ou un truc dans le genre, je sais pas comment ça se prononce. Bah, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ceci dit, regardez-moi ça, c'est plein d'idées. Il y a des petits trucs sur le décor, il y a des petits effets de zoom sur les sprites qui vous arrivent sur la gueule. Oula, tu préviens quand tu fais ça, man? Bah oui, mais non, mais moi je suis pas d'accord. Hop, 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 Mais bien sûr. Mais tout à fait, Jean-Pierrot. Là, Jean-Paul, enfin, du calme. Viens dans ta soirée et prends un thé avec moi. Alors, étonnant que ce jeu soit pas plus connu. Parce que, sorti de ces graphismes tout carrés qui plairont ou ne plairont pas, ça c'est une question de goût. Hein. Bah, c'est relativement jouable derrière. Le jeu est très très clair, très lisible. Je cherche où est la blague. Pourquoi on ne le connaît pas? C'est pas uniquement parce qu'il a été mal distribué quand même. Il y a peut-être un truc qui va se révéler, et ça on va le voir dans pas long, je pense. Voilà, c'est ces patterns qui sont peut-être un peu bateaux, je sais pas.
qui sont carrément bateaux, oui. C'est peut-être ça le truc. C'est que le jeu est un peu facile, là. Alors, je vous rappelle que un shmup, c'est au troisième niveau qu'on sait ce qu'il a dans le ventre. Ça, c'était pas sympa, monsieur. Rien que pour ça, je pense que je vais essayer ma bombe sur ta gueule. Oui, les patterns, c'est... Vous voyez ce que je veux dire. Do, ré, mi, fa, sol. J'ai une grosse envie de te bomber la gueule parce que je te trouve un poil long, mon ami, là. Alors, celui-là, c'est mon préféré, quand même. Dites, les autres devs, notez bien le pattern des missiles, là. Plus jamais vous utilisez ça. On a arrêté en 1990, il me semble. Alors, on voit pas trop ce qui clignote, donc j'ai pas l'impression de lui faire beaucoup de mal au pépère. Hein. Et il est pas content. Tiens, tiens, tiens. Ouais, comme tout super bad qui vient de se prendre une tatouille, il s'échappe. Et je vais donc passer tous les niveaux à le courser. Regardez-moi ça, c'est plein de jolis effets en plus. Comment ça se fait que ce titre ne soit pas plus connu? Parce que pour l'instant, il peut pas finir à la malle au grenier avec tous les jeux archivés qu'on veut plus jamais revoir, quoi. Ce jeu-là, on va le mettre dans les sélections. Mais est-ce qu'il pourrait avoir le cran de se révéler être un top? En plus, c'est rigolo parce qu'il donne l'impression de mélanger plein de gameplay. On passe d'une ambiance espace à une ambiance à terrestre, où ça fait du 1942-like, du Raiden-like. L'air d'y avoir beaucoup de choses en fait. Donc on va avancer dedans, parce que je sais pas quoi en penser dans l'état pour l'instant. Il commence à y avoir les patterns que je réclamais. Je me suis fait entendre. Oui, parce que le premier niveau c'était vraiment le niveau tutoriel. Limite on pouvait faire un peu de tricot en même temps. J'ai pas le temps d'attirer ma bombe, pourtant j'avais le pouce dessus. Oh, en plus elle fait une jolie tête de mort. Hop 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 hop. Il est colère, il va me faire la misère lui. Alors il y a peut-être un petit souci d'équilibre, allez savoir. Parce que les niveaux se passent à peu près correctement, mais là le boss par exemple, pas très sympa ces petits paternos là. Oh, le lance-flamme, oh. Il s'enfuit, le lâche. Ah, mais il tire super loin. Le traître. Le fourbe. Tiens, prends ça dans la tête. Alors, je crois que je viens de comprendre pourquoi ce jeu a pas trop eu la côte. Hein. C'est niveau équilibre. Je cherche à qui le recommander, en fait. Oui, boss, not boss, the boss. Alors, il y a des effets à tir larigot, mais ça fait pas le gameplay, les effets. Alors là, oui, il commence à y avoir de la pattern rigolote parce que ça va commencer à se croiser. Et j'ai pas fini de danser avec mon petit vaisseau. Rien de bien compliqué, mais bon, voilà. Juste ce qu'il faut pour vous mettre un petit peu la panique. Oh là là, et là je pense que ça va être autre chose. Hop, 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 hop. Oui, bah je le sentais pas ce truc. Il est vraiment sympa. Alors le fourbe en fait se barre en dessous pour pas que je puisse l'atteindre de temps en temps. Et là je peux tirer tant que je veux, ben voilà, je serai victime.
Oh, il lui manquait 3 coups dans le buffet en plus. Moi je l'aime bien ce jeu au nom imprononçable. Troisième niveau, on y est. Maintenant on va voir ce qui se passe. Le but c'est que ce soit difficile mais jouable. Va-t-il relever le challenge? Vous le saurez tout de suite après le bulletin météo qui annonce une tempête de caddie sur Nice. Hop hop hop. Oui, je savais que non, et je l'ai fait pourtant. Cette bombe, c'est une des bombes qui rend fier. Vous avez vu ça, cet effet de la mort qui tue. Qui tue petit à petit en plus, hein, même pas d'un coup. Alors ça va bomber dans pas longtemps, ça continue là. Calmons-nous les amanches. Eh oui, mais pff, mon vaisseau n'est pas super rapide. C'est un paramètre que j'ai pas encore super bien saisi. Changer de vaisseau? Non. Méga bombe? Oui. Tu vas te faire couicher la tête, toi, si tu continues, mon ami. Je te le dis en vérité. Oui, parce que je suis sympa, mais il y a un moment où... voilà. Tu m'as économisé une bombe, ça m'a fait plaisir. Le bordel que je suis en train de vous foutre au sol. Je crois que j'ai ruiné un... C'est comme dans Jurassic Park. Voilà. J'ai ruiné un bateau, et voilà. Il est en train de faire un massacre. En fait, ce bateau était mon ami, mais je ne le savais pas. Ah non, 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 il n'est pas mon ami. Oh putain, mais pourquoi t'avais ça à bord? C'est pas légal. Normalement, c'est interdit par l'ONU, ça. Il me semble. Et il se barre encore, se lâche. Alors, troisième niveau, oui, j'en avais demandé, je suis servi. Il y a de la boulette. Et en plus, les ennemis, il commence à falloir leur taper dans le bide plusieurs fois pour qu'ils arrivent à... Qu'est-ce que c'est que ce tir? Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, c'est une erreur. Je regrette. Oui, oui. Oh la vache, faut connaître les tirs, parce qu'il y en a certains, c'est pas qu'on veut les avoir, c'est qu'on ne veut pas les avoir. Il pue. C'est le terme approprié. Te revoilà, toi? Alors, petit malin, là. Ça sent le voilà. Alors, heureusement, j'ai ce tir collant qui m'arrange bien sur ce coup-là, parce que c'est un peu le bordel pour arriver à flinguer ce qui est le plus en bas. Et sans ça, je pense que je galérerais vachement. Oh, popopo, j'ai pas vu venir celui-là. Tu fais un petit clin d'œil la prochaine fois que tu le fais, hein. Déconne pas. Déconne pas. Oh, regarde. Regarde-moi ça, comme c'est mignon. Oui, bah j'ai plus de bombes. Oui. Oui. Comment je l'ai pris en pleine face. Bon, si vous êtes sage, après ce boss, je change de vaisseau. Et c'est bien parce que c'est vous. Oh, papa, papa, faut pas hésiter à bomber. Hein. Donne-moi ça, bon, je me barre. Étonnant que ce jeu soit pas plus connu. Alors, quatrième tableau, en toute logique, je vais commencer à insérer des crédits à un rythme qui est complètement pas décent, quoi. Ah, il est vraiment marrant sur ces graphismes tout carrés qui assument pleinement leur pixelitude. Oui, oui, la pixelitude, le terme, on va l'inventer juste pour ce jeu. Et du coup, c'est assez craquant. Les gens qui aiment les graphismes de ce genre-là, ils vont être fous quand ils vont voir ça, quoi. Ils vont faire « Je le veux !» Alors, je me demande s'il y a eu des rééditions. Je crois savoir que le jeu a été adapté sur Saturn, il me semble. Et que donc, les joyeux possesseurs de cette bonne vieille console peuvent avoir l'opportunité d'y jouer, s'ils le trouvent. Et le jeu, ouais, il est marrant. Alors, il n'ira pas au grenier, ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce que ça pourrait être un top? Je me pose la question. Parce que,
les patterns sont être innovants, bah, sont relativement efficaces, hein. On en prend bien plein, pas trop, hein, mais plein juste ce qu'il faut, quoi. Il ne tire pas par derrière. Je regardais ça, en fait, j'étais obnubilé, je me disais, lui, il va bien se rebiffer par derrière, il va me faire un sale coup. Ah, ça ne passe plus ici, c'est quoi ce bordel? Assez vif, quand même, hein. Ah, quelle andouille! Ah bah, il fallait bien que ça arrive, là-bas. Allez, on change de vaisseau comme promis. Je vais galérer. C'est pas vraiment mon tir. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Où elle est, la blague? Il y a pas mal d'idées. Hein. C'est bien foutu. Il va me faire la misère, lui. Il a l'air très énervé. Ah, mais j'ai plus ma tête de mort. Bah, ça va pas du tout. Moi, il me faut ma tête de mort, sinon je peux pas jouer. Bah oui, j'ai plus l'habitude, maintenant. Oh, purée, le fumier. Alors, je vais pas le mettre dans les tops, parce que de mon avis, la montée en difficulté est assez élevée. En particulier pour les boss. Pour le reste, ça passe à peu près, les tableaux. Ça s'enchaîne avec une croissance pas trop violente. Mais alors là, le boss, vous avez bien vu que... Tu arrives, tu connais pas ses patterns, c'est ta première fois, ton baptême va être douloureux. J'aime pas ces trucs bleus là qui scintillent au fond. Puis je peux même pas la voir lui. Bordel de schnitzel, de spretzel, de spluck, de schmele. Et j'ai réussi à crever quand même. Je suis tristesse. Vivement que je puisse reprendre le petit vaisseau du début. Il était très bien. Les boss sont assez vices là. Oh putain. Quand tu évites un laser, tu prends une boulette. Quand tu évites une boulette, tu prends un laser. Pourquoi ton duel? Alors, la musique est pas très cohérente non plus. Je sais pas si vous l'entendez clairement. C'est pas très guerrier, on va dire. C'est genre... guerrier mode jogging. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mon sport du matin et je me dégomme un petit boss là, puis après je vais aller classer des dossiers. Allez, on va dire ça. Ouais, j'ai pas le temps de bomber, j'avais le pouce dessus, mais c'est pas parti. Tiens, un cadeau. Un poil long le pépère à chaque fois. Hein. Ouais, j'avais plus de bombes, si. J'ai un petit poil de dé à chaque fois, hein. ça doit être l'ému à chaque fois. En plus il va crever dans 2 secondes, j'en suis certain. Même pas. Aïe. Oh, il me fait la misère là. Il me fait une grosse misère. Il me fait une énorme misère. Il me fait une misère pas sympa. C'est pas super drôle. C'est nuisible à l'équilibre. Pense à l'équilibre. Et c'est pas fini. Si. Je suis mitigé sur ce jeu. Si je devais le résumer, c'est les tableaux sont vachement bien. Les boss. Ça aurait mérité d'être un petit peu bossé plus justement parce que... Il y a des petits messages d'avertissement qu'on n'a pas trop le temps de voir. Oui. Je sens que ça va être au niveau de la douleur ultime. Ça va être le niveau du des yeux qui saignent et des petites fourberies comme cette cochonnerie qui était enfoncée dans le sol et qui n'a pas manqué de m'allumer. On avance un peu, puis prochain game over, bah, je vous laisserai souffrir à ma place en le découvrant. Parce que moi je trouve le jeu vachement bien, mais voilà, c'est pas super équilibré quoi. Ces passages là sont d'une perversion assez grave.
Si tu ne sais pas où te mettre, tu es mort. Mais pas qu'un peu, quoi. Tu es carrément mort. Aïe, 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 aïe. Rien que pour ça, j'ai envie d'avancer. Parce que du coup, c'est compliqué, là. Ça a bombé. Ah, j'avais prévenu. Je préviens toujours quand je bombe. Je suis quelqu'un de très... Not from where? From behind? Eh oui. En plus, j'ai un petit piou-piou tout pourri. Ah, quand on parle du piou-piou. Non, je sais pas pourquoi, je sens que je me suis mis dans une galère, là. Ça va pas être piqué des hannetons. Oh, et puis je peux pas flinguer, ce que je veux, ce tir n'est pas adapté. J'avais dit quoi? Non. Mais j'ai plus de crédit. Oh, justement, allez, stop. Qu'est-ce qui me prête de l'argent? Vite. Je l'ai fait bien. Mon dieu, un crédit supplémentaire. Ah oui, mais t'es gamer, t'es pas gamer, voilà. Et le plus important qu'on est gamer, c'est de savoir faire les yeux de chat quand on demande des sous. Ne prenez pas cet air dégagé, vous le faites tous. Et je vous vois, et je vous juge. Ça va bien se passer ici, je sens. Allez où la gueule, allez où la gueule. Hop, ça bombe. Ah oui, non, mais il y a un moment, moi, c'est... C'est compliqué. Non, c'est plus compliqué grâce à moi. Puisque j'éradique tout à la bombasse. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. On va essayer d'aller jusqu'au boss quand même, ça serait chouette. Parce que je vous garantis, prochain game over, on est mort. Le voilà. Mais moi, j'aime bien ces graphismes, en fait. C'est super carré, mais sérieux. Alors, il y a un shmup qui est sorti en 2018, là, cette année. Qui est exactement dans ce style-là, quoi. En plus, les couleurs, comme elles pètent, c'est hallucinant. Il est très, très rigolo, ce jeu. Donc, on va le garder dans les sélectionnés. Il n'ira jamais dans les tops. Parce qu'il est quand même un petit peu perv et un peu raide sur le gameplay. Il pardonne pas trop les erreurs. Et du coup, pour avancer dedans, il faudra sérieusement le roder. Mais les gens, je le répète, qui aiment le gros pixel bien carré, foncez quoi. Ce shmup, il a été fait pour vous. En plus, il est pas trop vieux, il est de 1995. Donc, Gekirindan, tu es totalement validé. Tu vas aller dans cette belle sélection qu'on garde en général pas trop loin de la télévision, du canapé et de tout le matos pour faire tourner. Et de temps en temps, on te ressortira pour l'apéro et faire voir aux gens que la vie n'est pas si facile dans les shmups. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles et je vous donne rendez-vous à demain, 19h. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.